Ne jamais dire jamais, un adage qui colle à merveille à la peau de Lorina. Cette mordue d'agility ne voulait surtout pas de Shetland, pas de mâle non plus, mais il y a 6 ans, elle tombe sous le charme de Macao, un Shetland mâle de 6 ans aujourd'hui, au caractère bien trempé. Il a peur de rien. Alors, faut savoir que le Shetland, ça peut être un chien qui peut vite être sensible. Alors lui, il a vraiment peur de rien. Voilà, il est toujours partant, toujours à fond. À la maison, c'est un chien qui va être posé, il va savoir se poser. Mais alors dehors, il va être au taquet. Enfin voilà, on va vraiment pouvoir faire et répéter sans que ça le saoule, sans que... Voilà, il est toujours partant. Il est assez indépendant, il commence à être un peu plus pot de colle avec l'âge. Mais sinon, c'est pas le chien qui va me coller toute la journée à la maison, qui va venir se coller sur le canapé, etc. Il est assez indépendant, il vient quand il a envie. Hein ? Oui ? Avec Macao, pas besoin de friandises, tout passe par le jeu. Macao est un véritable athlète. Sa conductrice et lui travaillent pour l'heure une fois par semaine sur le terrain d'agility du club canin de Célestat. Mais bientôt, ils pourront augmenter le rythme. Lorina aura son propre terrain à la maison. Macao, c'est un athlète à quatre pattes qui doit veiller à garder la ligne, notamment. Donc oui, je pèse ses croquettes du coup. Après, je vais le faire courir, pour entretenir le cardio. On va travailler aussi tout ce qui est proprioception, sur des coussins, etc. Voilà, en proprioception pour vraiment travailler les appuis, les appuis, etc. Quoi, vraiment qu'ils prennent conscience en fait de ces quatre membres. Un binôme au palmarès important, Lorina et Macao ont plusieurs titres internationaux décrochés sur l'International Sheltie, ainsi qu'un titre le plus beau à ce jour. Lorina et Macao ont en effet remporté le concours d'Agility by Night au Luxembourg, toutes catégories confondues, c'était en 2019. 2023 sera l'année du championnat du monde sous les couleurs de l'équipe de France. Mais rassurez-vous, à la maison, Macao est un chien comme les autres, avec de jolies balades et des séances photos à la clé. Okay.